Être entrepreneur, c'est avant tout de la solitude. Prendre des décisions, des risques et très peu d'habitude. Derrière la vie de rêve qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, il y a la réalité, la difficulté de gagner chaque euro. Le début de mois est toujours un nouveau départ, une stratégie à respecter, un stress qui redémarre. Se renouveler sans cesse, une métamorphose constante. Trouver sa différence avec les concurrents, une signature éclatante. Mais rassurez-vous, cette inquiétude, c'est aussi notre drogue, notre caféine. Sans ça, on s'ennuierait, on manquerait clairement d'adrénaline. D'ailleurs, c'est vraiment amusant de constater à quel point les entrepreneurs se ressemblent et sur les mêmes choses sont désorientés. Tenez par exemple si de décisions importantes est fait notre quotidien. Décider d'un resto ou d'un plat à manger est pour nous un choix cornélien. Comme si ce qui n'avait pas de lien avec le business n'était pas important. Ce qui ne veut certainement pas dire que l'on s'intéresse qu'à l'argent. Tout ce qu'on fait, on le fait pour notre épanouissement personnel. Bien sûr, il y a l'argent, mais en vérité, on rêve juste d'être éternel. Ne croyez pas pour autant que l'entrepreneur est toujours sûr de lui. Il doute, et c'est une remise en cause permanente de ce qu'il produit. En réalité, l'entrepreneur a surtout confiance dans sa capacité à travailler. Mais chaque matin, il doit se lever avec l'envie de redémontrer. À peine le temps de se satisfaire d'avoir évité le pire, le jour d'après toque à la porte, il est déjà temps de se tourner vers l'avenir. Ajoutez à cela qu'il faut souvent composer avec une équipe et des prestataires. Des gens parfois sérieux, parfois jaloux, prêts à vous envoyer à terre. Être entrepreneur, c'est enfin des charges sociales, un fardeau à porter. Du chômage pour tous, sauf pour le chef, une véritable fierté. Et je ne vous parle même pas de toutes ces impositions. Taxation de la société puis des dividendes, n'est-on pas un peu pris pour des cons? Alors oui, si après avoir entendu tout cela, vous êtes toujours déterminé pour avancer et aller au combat, c'est que vous êtes prêt. Oubliez votre quotidien tout en maîtrise. Il est temps pour vous d'être entrepreneur, de devenir chef d'entreprise.